Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je suis content de te montrer cette vidéo parce que pour tous ceux qui me suivent depuis 2018-2019, vous savez que j'avais fait une série de vidéos avec un frérot, Nice Jojo. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une mise à jour par rapport à tout ça et de revenir avec des gros trainings afin de te partager notre motivation. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance accentuée sur les pecs, mais voilà, on s'est fait plaisir. On s'est échauffé avec du dos et à la fin, on a fait un bon rappel bras. Ok? C'est parti pour l'exercice 1. Le but était de vraiment bien s'échauffer le dos. Parce qu'avec le frérot, on a l'habitude, quand on s'entraîne ensemble, de commencer toujours par une machine dos. Parce que voilà, le dos, c'est important. Et comme lui, il a fait une compète en full naturel, son dos, c'est son point fort. Donc, dans son programme, il y avait toujours un petit rappel dos le matin, du moins un exercice dos, afin qu'il performe pour qu'il soit meilleur. Et moi, je l'ai suivi un peu dans sa préparation. Donc voilà, c'est resté. Du coup, on s'entraîne toujours un peu en dos en début de séance. Juste après ça, on est parti sur une bonne série où voilà, on était chaud. On a mis 70 kilos, il me semble. Et on a fait 10 répétitions tranquillement. Et après, on a mis 30% de la charge et on a fait 15 répétitions juste derrière. Ça nous a bien réveillé pour la suite. Allez, mec. 1, 2, 3, allez, 4, super, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, normal. Wow. Ok, easy. Allez, mon gars. Là, on travaille. Go. Comment ? On travaille serré. Easy. Serré, hein, ça. 2, 3, 4, allez, 5, 6, c'est rien, mec, c'est rien. 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 10 sur la fin, 13, sur la fin, mec, 14, de l'as, 15, jump, jump, 3. T'as commencé à 80, ça ? Ouais, 80. 80 direct. Et après, je connais la suite. Ok. Juste après ça, on s'est bien échauffé les épaules avec des élévations latérales, des élévations frontales, histoire d'être chaud pour la suite. Parce qu'on allait attaquer le développé incliné, donc c'est important d'être préparé pour ça. C'était le premier exercice pec où voilà, où il fallait être bien chaud pour le faire. Le dos était prêt, tu vois, il était bien chaud, le sang était chaud, mais les épaules, c'est très important de les bosser avant de travailler les pecs. Parce que l'avant des épaules, tu vois, il va être beaucoup sollicité, donc il fallait qu'on le bosse pour qu'on se prépare. Là, on était prêt, on était chaud, on a commencé à bosser les pecs. On a commencé à le développer incliné pour le haut des pecs. On est parti sur du 8-10 répétitions tranquillement. Moi, j'ai commencé avec les 20, voilà, pour bien m'échauffer, pour être sûr. Le frérot a commencé avec les 30 tranquillement et on s'est mis bien jusqu'à commencer tranquillement la vraie séance avec les 36. 36 kilos, on voit ça, mec. Allez, 4, 5, 6,
7. 8. Easy. Très bien. Très bien, mec. J'ai gratté un peu parce que j'en ai gratté deux encore. Par rapport à moi. Par rapport à toi? Ouais, par rapport à moi. Parce que je voulais envoyer. Parce que je voulais envoyer tout simplement. Je suis en train de réfléchir si je prenais les 38, mais 36 et 38, ça peut préparer. Donc ouais, je vais rester sur 36 tranquillement. Hop. Ok. Comment? Ok. Ça va. Juste après ça, le frérot est parti sur 40 kg par bras. Moi, je suis parti sur 44 parce que voilà, j'étais énervé, j'étais bien échauffé et mon corps voulait pousser lourd directement. Donc j'étais chaud et d'ailleurs, je me suis mis en débardeur parce que je me sentais prêt. Tu fais 6 reps? Ouais. Ah, moi, je vais partir sur du 8-10 reps. Là. Moi, je suis en masse, mec. Je suis pas en force. Pas de force pour moi. Je t'envoie le deuxième? Non, ça va aller. Ça va aller? Ouais. Fais ça bien. Envoie. Hop! C'est léger. Comment? 2. 3. Super. 4. Allez. 5. 6. Allez, allez. C'est bien, c'est bien. Ça serait bien que je t'ai écouté, hein. Mon gars, 8 reps, mec. C'est l'orgueil. 8 reps. C'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil, c'est la prise de masse, mec. Y'a pas d'orgueil ici. Ça sera 44 pour moi. 44 pour frérot. Normalement, ça va aller, normalement. Normalement. Moi. Hop. Comment? 7. Nice. Go. Ouh. Ça va. Juste après ça, le frérot est parti sur les 44 kills par bras. Et moi, je suis parti sur les 50. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris 50 kilos par bras. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. D'ailleurs, revenir sur du 50 sans assistance... Franchement, ça, je suis vraiment content de ma perf. Je suis vraiment content et ça annonce que du bien pour la suite, pour mes séances pec. Oh, ça fait longtemps. 44 kills. Ouais. On rentre dans la masse, mon frère. Oh, c'est ça, hein. C'est reparti. Allez. Allez, comment? Je suis là. Je suis là, mec. Bon, allez. Oh. Voilà. Deux. Trois. Très bien. 4, très bien. 5, ok. 6, assiste. Hop, hop. 7, allez, hop, allez. 8, nice. Good job. Ça fait longtemps, ça. Ah, mec. 50 kills, ça fait longtemps. Faut que je les mange. Faut que je les mange. J'ai pas le choix. Hey! Hey! Avant, je les faisais sans assistance. Hein. Allez. Comment? Hey, comment? Hey. Hey! Touche pas, touche okay. Pas. 3. Comment? 4. Comment? Ouais. Nice. 7. 8. C'est parfait. Ok. À la fin, pour la dernière série, on est parti sur du 46 kg, tous les deux. Donc lui, il est resté sur une marge de progression, d'accord? Et moi, je suis resté... Enfin, moi, j'ai bien progressé, mais après la fin, je voulais pas refaire une 50 parce que je voulais pas trop me fumer pour la suite. Parce que savoir une chose, les 50 à la salle, ils te détruisent. Après, t'as plus envie de rien, tu vois?
t'as plus envie de rien après les 50. Oh. Oh. 46. Je suis là, mec. Easy. Oh. Oh. Boum. Oh. Super. Oh. Très bien, très bien. Allez, 4. Super. Là j'ai rien fait là. Allez, allez, allez. 6. Hop, allez. Allez. 7. Je pousse même pas là. Putain. Allez. Ok. Mec. Et j'ai besoin de toi pour que tu me passes le 46. Là c'est chaud. Là c'est trop chaud. Ah ouais, c'est mort. Je peux pas me baisser. C'est lourd, mec. Merci. Bon. Tant que la 50 est validée, c'est bon. T'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de moi. Comment? C'est la bouche. Ouais. Moi. Ok, c'est parfait. C'est bien. Ok. Juste après ça, on a parlé à un ancien à la salle, il nous a donné un petit conseil au niveau des pecs. On a fait des pompes inclinées sur les haltères. Alors, il y a deux types de pompes. Les pompes, la première que tu vois, c'est pour travailler le centre des pecs. Et la deuxième, avec les bras légèrement écartés, c'est pour travailler le haut des pecs. Et après une série, franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet de partager un peu plusieurs choses, des conseils qui apprennent, bon à prendre, que tu peux resserrer à la maison, que ce soit sur une chaise ou sur un banc, dehors. Voilà, c'est des exercices que tu peux resserrer à la maison. Donc, tout conseil est bon à prendre et à redonner. C'est important. Juste après ça, on est parti sur du développé incliné à la barre tranquillement. On a fait 4 séries entre 50 kg et 80 kg. On n'a pas voulu trop charger parce qu'avec ce qu'on avait fait avant, ben voilà, on n'avait pas la force de mettre des grosses charges sur cet exercice-là, sachant qu'on s'est déjà bien fumé aux haltères. Donc voilà, ça nous a fait du bien quand même au pec. Et moi, ça me fait du bien de reprendre le coucher à la barre. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça. Au niveau des répétitions, moi, faut savoir, je vais toujours chercher entre 8 et 10 reps. Je reste dans la masse, donc 8, 10 reps. Et si tu es très chaud, tu peux aussi aller chercher jusqu'à 12 reps si tu veux rester dans la masse. Parce que la masse, pour moi, enfin, ce qui marche bien sur moi, c'est 8, 10, 12 reps, d'accord? Mais en ce moment, j'aime bien le 8, 10 reps. Au niveau du repos, on l'a pas compté. On était deux, ça veut dire que un faisait l'exo, l'autre se reposait. Et après, on attaquait directement. On avait un repos relativement court avec les charges qu'on a soulevées, mais on a quand même pu bien enchaîner avec ça. Donc on était dans 1 minute 20 à peu près. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était à moins d'une minute 30 de repos. Vraiment, moins d'une 30. Ensuite, le frérot est parti au vis-à-vis directement à la poulie. Mais voilà, il y avait un peu de monde et les poignées, c'était pas les mêmes. Et moi, comme je suis chiant, j'ai pas fait cet exercice-là. Je suis parti directement au triceps, à la barre droite. J'ai fait un de mes exos favoris, d'accord? J'ai pris la barre en prise pronation. Normalement, mon vrai exo, c'est quoi? C'est 20 reps en pronation. Je prends en supination 20 reps. Et là, je peux dire que là, ça fume. Mais là, j'ai dû faire moins de répétitions parce que la veille, j'avais déjà fait ça, tu vois? J'avais fait ça 4-5 fois et là, je sentais déjà que ça me faisait mal, tu vois? Donc, j'étais déjà handicapé par ça, mais je l'ai quand même fait. Ça m'a fait du bien. Et comme après, c'est le rappel bras, je voulais avoir des triceps congestionnés pour ce qui allait arriver pour la suite. Dernier exercice, et le frérot, il m'a fumé avec ça. On a pris des haltères, charge assez moyenne, mais lourde pour ce qu'on faisait parce qu'on était en fin de séance. On a fait 8 à 10 séries de curl marteau unilatéral. Et juste après, on a fait 30 répétitions en double marteau. Ok? Ça faisait mal, ça faisait mal. 30 répétitions à la fin, échec. Enfin, quasiment, ouais, c'est quasiment à l'échec. Parce que ça faisait vraiment mal pour arriver à 30. Et franchement, c'était compliqué, c'était compliqué. À la fin, on essayait de faire 10 secondes de contraction. Très important pour déchirer encore des fibres et évoluer en musculation. Très important de faire des contractions. Ça peut paraître ridicule des fois quand tu as des gens faire ça, mais crois-moi, c'est pour évoluer si on le fait. 1,
Boum. Deux. Très bien. Allez. Trois. Super. Quatre. Allez. Cinq. Allez. Super. Six. Allez. Sept. Boum. Huit. Très bien. Allez. Neuf. Dix. Ouais. Jump, jump, jump. Ah, kiki. Putain, ça va aller en mal. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ah. Six. Allez. Sept. Boum. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. 16, 17, 18, 19, allez, boum, 20, 21, 22, 23, 24, 25, allez, 26, 27, 28, 29, 30, wow, fort, super, wow. Wow. Good job, good job. Allez. Deux. Trois. Ok. Ok. Ok, six. Comment? Sept. Ouais. Huit. Ouais. 9. Ok. Allez, mon frère. Là, c'est 10 kilos. Concentre-toi. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, comment? Allez. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 8, 9, 10, là ça pique, lâche pas. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Dans la tête la douleur, squeeze. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, donc voilà pour cette séance et je suis vraiment content de te la montrer parce que ça faisait très longtemps que je voulais revenir avec le frérot sur YouTube. Mais cette séance, c'était vraiment, voilà, c'était pour rigoler de base, c'était pour rigoler. Je posais la caméra, c'était un délire. J'ai mis le micro, je regardais si le match rendait bien. Et effectivement, ça rend plutôt bien. Mais pour les prochaines séances, on va essayer de faire du sale, on va essayer de mieux structurer les choses. Et pourquoi pas peut-être inviter des personnes et bien se défoncer, faire les choses bien pour partager la motivation qu'on donne à travers la musculation. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu l'as kiffé, je t'invite à mettre un petit like, un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. D'autres vidéos vont arriver avec le frérot. Juste pour info, on était au Honor de Montreuil. Très bonne salle, moins bien que celle que la Courneuve. Quand même, la Courneuve, c'est, pour moi, c'est la best. Mais voilà, pour l'instant, on est tranquille, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était bien pour faire notre vidéo. Bon, sur ce, moi, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.